Le marché de la Pairie, un des lieux de Libreville où l'offre et la demande se tiennent la main, au même titre qu'à l'ancienne gare routière, où vendeurs, commerçants et clients se donnent rendez-vous. Ici, certains espaces prévus pour l'achat des fournitures font déjà leur plein. Mais constat, pas d'affluence. Le problème qui se pose, les listes ne sont pas encore sorties. Mais il y a certains parents qui viennent payer certains cahiers pour les cours de vacances. Parce qu'il y a les cours de vacances qui vont finir d'ici le 5 septembre. C'est encore trop timide. Les prix sont abordables. Avec la carte de visite, on redit encore fait 20% par rapport aux achats. Alors on a une carte de visite qu'on distribue aux parents. Pour ces commerçants de fournitures scolaires qui font déjà le plein dans leur magasin, élèves et parents gagneraient à faire leur achat en cette période. Pour le moment, il n'y a pas encore l'affluence. Mais les parents qui viennent, ils viennent un peu en compte-goutte. Mais les parents qui sont un peu intelligents, enfin, c'est ceux qui peuvent venir maintenant parce qu'à la rentrée, les prix sont mal. Mais par contre, maintenant, il y a des parents un peu intelligents qui arrivent. Ils essaient d'acheter un peu, pour attendre un peu la période de rentrée. Ce qui est sûr, à la rentrée, ça augmente tout un petit peu. Mais par contre, maintenant, c'est moins bas. La rentrée scolaire 2013-2014 arrive à grands pas. Élèves et parents attendent sans doute la date officielle de la rentrée pour se ruer vers les lieux d'achat des fournitures.